à tous et à toutes, c'est Galax et ben aujourd'hui sur Jurassic World Evolution pour la suite de l'aventure. J'espère que vous allez bien, ça va super, on continue toujours sur Isla Tacaño. Aujourd'hui, nous devons construire plein de bâtiments. On va continuer bien sûr la construction de cette île qui n'en est bien sûr qu'à ses débuts parce que je vous rappelle qu'on l'a sauvée de la faillite. Et oui, le précédent propriétaire, à mon avis, a fait n'importe quoi au niveau de la gestion. Alors, on a construit notre centre des expéditions, notre premier centre. Et là, ce qu'on va construire juste à côté, c'est un centre des fossiles pour accueillir bien sûr ce qu'on va récupérer. Je pense que c'est une bonne idée, honnêtement, de le mettre juste à côté. Voilà, on le met juste ici, comme ça au moins on aura directement les deux bâtiments côte à côte. Je vais construire du coup une allée, voilà, directement ici, on se prend pas la tête. En plus, c'est déjà relié hein, au niveau électricité, donc c'est cool. On va commencer, écoutez, par faire notre première expédition. Alors, nous avons une mission, un contrat du moins, expédition sur le site formation de Lourinhã. Alors, on a vu à la fin de l'épisode précédent exactement où c'était, c'est donc au Portugal. Allez, on lance ta recherche. Et donc, c'est pour obtenir le Ceratosaurus, ou plutôt, voilà, pour augmenter encore une fois le génome du Ceratosaurus, qui est déjà bien avancé, je vous rappelle. Hein, regardez, si on veut mettre un Ceratosaurus, alors évidemment, je suis pas fou, je vais pas le mettre ici, vu que c'est l'enclos des herbivores. Et à mon avis, ils vont tous mourir hein, si je le mets. Hein, là, c'est sûr. Hein. 87% au niveau du génome, donc il est déjà effectivement bel et bien avancé. Alors, également, j'avais oublié de mettre les améliorations par rapport aux autres bâtiments. Donc, on va regarder un petit peu ce qu'on a. Emplacement libre, qu'est-ce que j'ai par rapport à... d'accord, ah j'ai rien par rapport aux centrales électriques. Il faudrait absolument que je voie pour choper quelques améliorations. Au niveau du centre d'expédition, qu'est-ce qu'on a comme amélioration? Vitesse d'excavation. Donc ça, je vais l'acheter directement et on va le placer. Rappelons que ça coûte en énergie, en électricité bien sûr, de mettre des améliorations comme ceci. Et enfin, on a également vitesse d'extraction des systèmes informatiques de pointe permettant d'accélérer de 10% le processus d'extraction. Et on est à plus de 90 000 $ de bénéfices par minute. Ça sent bon, ça. Quelle bonne reprise. Je suis content. On n'est pas allé trop vite, tu vois. On a supprimé le gros bâtiment ici. On a supprimé la majorité des commerces. Du coup, ça nous a fait beaucoup d'argent. Également, même là, et j'oublie à chaque fois le nom, la centrale. Pourquoi je pense toujours à station, mais pas au mot centrale. C'est fou, hein. On a supprimé la centrale qui avait tout au fond là-bas, voilà, pour nous faire de l'argent. Il me semble que ça nous a filé 300 000 $, 400 000 $ de plus, et donc c'est pas rien, hein. Vraiment, c'est super intéressant. Là, on va continuer bien sûr à mettre des dinosaures, mais avant toute chose, on va continuer avec les bâtiments, on va dire, obligatoires, entre guillemets, pour justement avoir une protection de la sécurité, etc. Donc, première chose qu'on va mettre, c'est bien sûr le centre des gardes, voilà, le poste des gardes du moins, c'est super important, ça coûte 400 000, c'est assez cher, mais on assume. Alors, on va le placer où? Ce serait bien de le placer, je sais pas si je le mets dans la continuité, ou alors si on le place plutôt dans cette zone là où justement on a tous les bâtiments pour justement nos employés. Je pense qu'honnêtement on va continuer par là, ouais. Je pense qu'on va le mettre par ici. Par contre, il va falloir que je le relie, enfin que je mette un poste électrique. Voilà, on va le mettre ici. On va essayer de mettre un maximum de bâtiments assez proches, voilà, pour ne pas perdre trop de terrain, parce que si on a envie de mettre des enclos à droite à gauche après, ça peut être intéressant. Hop, je vais faire rejoindre l'allée. Clac, voilà, très bien. Donc là, il nous faut un poste électrique, hein, on est bien d'accord. Ah, attends, qu'est-ce qu'on a eu? Expédition terminée, super. Alors, on obtient donc du Ceratosaurus. Bon, on va prélever l'ADN, on va continuer parce qu'il n'est pas à 100%. Hein. Donc on va en profiter, on a récupéré de l'iridium. Je vais rebalancer bien sûr une recherche. Et regardez, et voilà, contrat terminé, génial. Alors, je vais en balancer un autre. Par contre, le Ceratosaurus, ouais, c'est bien. Mais regardez, il y a plein de choses apparemment de nouveau. Alors, voyons voir. Brachiosaur. Oh, un brachiosaur. Ah oui, ça, je veux. Ah oui, ah, je veux le brachiosaur. J'adore le brachiosaur. C'est bien sûr un dinosaure emblématique, hein, je pense, de Jurassic Park. Et voilà, les dinosaures, quoi. Le brachiosaur, énorme, gigantesque. Ok, alors on va se mettre justement. Hop, parce que là, on peut voir qu'au niveau de la vue, gestion, on n'a pas de l'électricité ici. Donc là c'est la station, ok, donc on va rajouter un poste électrique, c'est un peu obligatoire. Ah, alors qu'est-ce qu'on a pour la science? Créer au moins 4 nouveaux dinosaures, incuber les œufs, faites les éclore et transférez-les vers leur enclos. Bien sûr, ça rapportera 250 000, c'est assez intéressant ça. C'était incroyable, 2 fantastiques, 3 dinos impossibles, 4 dinosaures. Ah bah oui, l'époque a changé ma grande, l'époque a changé. Donc il nous faut, les amis, un poste électrique. Voilà. Nickel, comme ça on est bien. Merde, j'aurais dû le relier directement. Gardez toujours un œil sur vos attends, chiffres. Je vais le relier directement ici, logiquement. Hop, voilà. Bon, par contre, j'avoue que c'est pas très beau comme ça. Mais j'ai pas trop le choix. J'aurais pu le déplacer, le mettre en plein milieu. Remarque, ça aurait couvert une plus grosse zone. Enfin bon. Ça c'est fait, le poste électrique. Et donc ouais, maintenant j'essaye vraiment de faire comme il faut. Hein. Tu vois, je relie vraiment le poste électrique.
à chaque fois au même réseau qu'on constitue. Parce que c'est vrai que c'est un peu illogique. Alors attends, on a toujours... Ouais, donc c'est là-bas, question d'électricité, mais c'est normal. Il n'y a pas de bâtiments qui ne sont pas effectivement alimentés, il n'y a pas de problème. Voilà, donc ça c'est créé. C'est donc le poste des gardes que je vais améliorer aussi. On va en profiter, amélioration... Ah mais non, mais attends, mais j'ai plus les améliorations. Ah non, c'est pas ça que je voulais, c'était les équipes. Attendez, c'était les équipes que je voulais acheter. Voilà. 50 000, 50 000. Pour avoir les trois équipes, comme ça, on est tranquille. Et là, maintenant, on va commencer à faire incuber les dinosaures. Effectivement. J'ai remarqué en plus qu'en termes d'interaction, ils en voulaient un peu plus. Donc, tant mieux. On va leur mettre quoi? On pourrait mettre un Dracorex en plus. Je pense que ça leur ferait plaisir. L'Ankylosaurus, attention, parce qu'effectivement, c'est un peu compliqué. Par contre, je vais mettre un Corythosaurus. Ouais, je pense qu'on va en mettre un de plus. On va voir au niveau de la modification du génome. Ça peut être pas mal de pouvoir l'améliorer. Ok, il n'y a pas de gènes différents, résistance. Hop, on va mettre ça, histoire d'augmenter un petit peu sa note. Ouais, ça l'augmente pas bien, ça reste à 24, c'est pas grave. On va l'incuber, voilà, un premier. On va également s'incuber, je pense que pour la variété, mettre un petit peu de Struthiotimus, ça peut être bien. Parce qu'il ne faut pas regarder non plus que la note, tu vois, et que ce que ça va apporter au niveau des visiteurs. Il faut regarder aussi, effectivement, qu'il y ait de la variété, parce qu'il y a une note par rapport à ça. Modifier le génome. Alors attends, est-ce qu'on peut... On peut pas plus l'améliorer encore. Tiens, on va le changer, parce qu'apparence, on était en type aride. On va le mettre en type savane, histoire de voir quelque chose un petit peu différent. Ok, gêne nul, digestion efficace. Pourquoi pas, voilà. Ça baisse un peu la viabilité, mais bon, elle est tellement haute, à plus 60%, avec les améliorations, que je n'ai pas trop de crainte, voilà. On va mettre par contre deux Struthiomenus si possible. Et tu peux voir que ça se fait très rapidement. Ce qu'on va faire, je vais quand même mettre, du coup, la... Non, c'est la capacité de la couveuse. Voilà. Sans électricité. Oui. T'es gentil, mais aucun bâtiment n'est pas alimenté, t'inquiète pas. On y croit. Et il me faut donc un deuxième Struthiotimus qui s'incube, du coup, très très rapidement. Et c'est là, du coup, hein, qu'il n'y en a pas. Ouais, ça, je suis au courant. Je vérifie quand même qu'il n'y ait pas des bâtiments sans électricité, parce qu'on sait jamais. C'est un peu bizarre que je me dise ça. Ah, si! Ah, bah, voilà. Heureusement que je vérifie. Pourquoi? Pourquoi tu n'es pas alimenté? Est-ce qu'il n'y a pas suffisamment d'énergie? Ah, c'est peut-être ça du coup. C'est peut-être ça. Parce que logiquement, regardez, nous sommes bel et bien dans la carte, nous sommes bel et bien alimentés. C'est complètement illogique. Donc ouais, est-ce que c'est dû à la station, effectivement, qui n'a pas assez d'énergie? Moi, je pense que c'est ça et que le restaurant prend plus de 2 d'énergie. Du coup, on va devoir construire une deuxième centrale. Je vais y arriver. Alors attends, déjà, je vais transférer ça, et après on verra. Hop, on va transférer les deux Struthiomenus. Ah ouais, si le restaurant n'a pas d'électricité, franchement, c'est pas cool. Regardez donc, un Struthiomenus type savane, il me semble. Hein. Type savane. Ah, c'est marrant. Je dirais pas que c'est joli, c'est marrant. Je trouve que c'était plus joli l'autre coloris, autre skin, entre guillemets, qu'on avait mis. Bon, après, ça change pas tellement. Je pense qu'ils vont être contents, voilà, d'avoir un petit peu de collègues avec eux. Et franchement, les Struthiomenus, alors, c'est pas effectivement les plus importants, c'est pas ceux qui vont le plus apporter en termes de réputation à ton parc. Par contre, c'est vraiment le dinosaure un peu passe-partout. Voilà. Alors évidemment, faut pas le mettre avec les carnivores, évidemment. Mais dans un enclos d'herbivores, franchement, ils passent partout, ils sont pas difficiles. C'est pour ça que c'est le premier dino qu'on te fait rentrer, effectivement, dans le jeu. Ok. Donc ouais, il faut que je trouve une solution par rapport à ça. On va devoir mettre, bah, tout simplement, une autre alimentation, ou alors retirer des capacités. Eh ouais, c'est peut-être pour ça que je vais retirer les capacités ici, c'est un peu con, mais... Ouais, faut peut-être retirer ça, tu vois. Si, je suis sûr que si je retire ça... Attends, on fait le test. On fait le test. Si je retire ça, je suis sûr que c'est bon, là. Et voilà. Tu vois? Parce que... Ah, mais j'ai les boules! Ça demande 3 en électricité, en fait. L'autre, ça prend 2, il me reste plus qu'un. Et ouais, non. On est limité en énergie, du coup. Aïe, aïe, aïe! Et ouais, il me reste plus qu'un. Donc, il nous manque 1 d'énergie pour alimenter le restaurant avec nos bâtiments actuels. Je vais devoir construire absolument, du coup, une deuxième station. Tu vois? Je vais être une deuxième centrale. Pourquoi je confonds toujours centrale et station? Ça m'énerve. Bref, on va continuer à incuber, ok? Alors, le Corythosaurus. Parce qu'effectivement, il y en avait 2 dans l'enclos. Et il me semble que côté interaction, ils en demandaient un peu plus. Donc voilà, j'en fais rentrer un supplémentaire. Très bien, comme ça fait des dinos en plus. Hein. C'est pas plus mal. Alors j'aime bien, moi, voir les entrées, tu vois, de chaque dinosaure. Je trouve ça, c'est un moment assez important. Même s'ils meurent, tous de vieillesse un jour, hein, ou lors d'un combat ou autre. Hein. Même si côté herbivore, j'ai pas vu encore de combat. C'est vrai qu'on le remarque plutôt côté carnivore. Alors je vérifie que tout aille bien. Population, ça va. Le Triceratops, c'est pas mécontent. Le Corythosaurus, ouais, il est plus... Il est
assez content côté interaction parce qu'il en manque un petit peu. Et le Dracorex, c'est vrai qu'il faudra un Dracorex en plus. Ouais, je vais mettre un Dracorex en plus, ça me permettra en plus de débloquer comme ça l'objectif, là, le petit contrat. Donc un Dracorex en plus. Hein. Voilà, parce que côté interaction, c'est en bleu, mais c'est en bleu, mais c'est un peu limite. Allez, et également, ce qu'on va faire dans un même temps, on va se mettre une deuxième... Attends, je crois que je peux la mettre à côté, là, limite. Ouais, limite, je peux la mettre à côté. Peu importe, hein, je vais la mettre là. Ouais, entre deux centrales. Alors, bim. Non, pas le poste électrique, centrale. Je m'en fous du poste électrique, gros. Centrale électrique. La première est où, en fait? Attends, je sais même plus où je l'ai mise. Bah elle est là, je suis con, c'était ça. Mon dieu, rien ne va plus. Est-ce que je peux la mettre pile poil à côté? C'est quoi, limite, on met vraiment le truc à côté, quoi. On met des fifous, hein. Ouais, tu vois, je mets les deux à côté. Voilà. Comme ça, au moins, c'est relié. Et tu vois, tu vas le relier... tu vas le relier là. Voilà. Donc là, logiquement, maintenant, il y a de nouveau ce qu'il faut côté alimentation. Si tout va bien. En fait, peu importe où on les met, hein. Franchement, peu importe. Voilà, ça c'est fait. Donc il y a suffisamment de jus qui passe là-dedans. Ok, donc là je pense que je vais pouvoir remettre, après la construction, je vais pouvoir remettre ce qu'il faut au niveau des améliorations. Hop, je vais donc faire transférer mon Dracorex. Allez, on enchaîne, on y va à fond. Contrat terminé, 250 000 $. Je pense qu'on va bientôt débloquer la mission science. Récompense de réputation, yes. Poste électrique grand, ouais. Pour vous remercier de ce que vous avez accompli sur Isla Tacagno. Ah, c'est gentil. Ah, je suis content. J'ai enfin un grand poste électrique. Ça, franchement, grand moment. Ah ouais, grand moment. Alors, côté mission, est-ce qu'on l'a bientôt débloqué? Ouais, regardez, hein, côté réputation. On y est presque, hein, côté science. Hein, pour une nouvelle mission ici, sur Isla Tacagno. Et faites en sorte que le parc prenne de la valeur, 5 millions. On n'est pas loin non plus. Hein. Niveau bénéfice, on est bien... Ok, donc attends, je vais remettre du coup ce que je voulais faire. Et en plus, je vais relancer bien sûr des expéditions. Brachiosaur, on va rechercher Diplodocus. Ah, pourquoi pas? Allez, on va rechercher le Diplodocus. Côté fossile, le Brachiosaur, voilà, on commence avec ça. Super, excellente qualité. Et regardez ce qu'on va trouver, de l'iridium qu'on peut revendre bien sûr. Ok, donc là, maintenant que j'ai de nouveau de l'énergie logiquement avec ma deuxième centrale, bim, je peux remettre les améliorations sur les différents bâtiments. Si la logique est effectivement présente. Attends, j'en avais trois. Énorme. C'est une réussite exceptionnelle. Allez, une réussite exceptionnelle. Nouveau contrat. Putain, on enchaîne. Hein. Oh la vache. On enchaîne à fond. On a toujours pas débloqué la mission. C'est un peu étonnant quand même qu'on débloque pas la mission. Ouais, donc regardez, niveau nouveau bâtiment. J'ai reçu donc le poste électrique grand. Ça, c'est bien. Ça, c'est plutôt cool. La limite, je pourrais le remplacer par un grand poste. Je pense que je vais plus mettre de petits, hein, en vrai. Hein. Je pense que ça ne servira plus à rien. Donc, attends, côté mission. Ah, je suis au-dessus. Alors, attends, terminer la mission. Remède sur l'île Isla Muerta. Ah non, sérieux, faut finir l'autre mission. Ah, je suis tellement déçu. Ah, bah voilà. Eh ben, vous savez quoi? Ce qu'on va faire, là, on va laisser ce parc tranquille. Tu vois, parce qu'on l'a sauvé de la faillite. On va retourner sur Isla Muerta. Ouais, je pense qu'on va y retourner. Du coup, bim. Et on va essayer de faire ça. Parce que c'est vrai qu'il fallait conclure avec les autres missions. Hein. Donc allez, retour sur Isla Muerta, maladie contractée. Attends, mon dieu, que se passe-t-il? Qu'est-ce que tu as, mon Corythosaurus? La rhinite, très bien. Logiquement, j'ai ce qu'il faut. Bim, poste des gardes, ajouter une tâche, clac, clac, clac. Et vous savez quoi? On va le faire. C'est quoi? Je vais le faire. Je vais prendre du coup mon véhicule, histoire de se faire un petit peu à l'endroit. J'arrive! Eh ouais, on va faire un petit retour du coup. Donc celle-là, attends, faut que je fasse le tour. La porte, elle est où? Attends, j'ai mis une porte au moins? J'ai oublié la porte! Attends, j'ai oublié la porte! Je me disais aussi, il y avait un truc qui manquait. Attends, je vais la mettre où la porte? Je vais la mettre là? Ouais, non, je vais la mettre là. Voilà, ici. Très bien. Voilà, n'importe quoi. Attends, je retourne à la voiture. Je me disais aussi, il n'y a pas la porte. Apparemment, il y a deux infections. Hein. Enfin, deux contaminations. Allez. J'arrive les amis, je viens vous sauver, je viens vous guérir. Et après on repartira sur Isla Muerta. Alors attends, ne bougez pas surtout. Hein. Je prends mon fusil, je vise et je tire. Je bam. Allez, on enchaîne. Attends, expédition terminée, très bien, je m'en fous. C'est bon, ça c'est fait. Deuxième. Oh putain, ah ouais, c'est une épidémie sacrément...
Sacrément rapide, hein. Ouais. Pas le temps de chômer, quoi. Toucher. Voilà, ça va plus vite, hein, quand on les touche plusieurs fois. Hop, très bien. Et là, je vais le chercher. Ça va être plus compliqué pour le Sutuminus. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Poussez-vous. Arrête de bouger! Arrête de bouger! Oh! Putain, si je l'aurais eu, là, franchement, je me sentirais plus pissé, quoi. Toucher. C'est bon. Nickel. Epidémie contrôlée. Je peux maintenant y aller. Qu'est-ce qu'il fait? C'est bon, c'est contrôlé. Ah, je suis content. Ok, hop, hop, hop. Et donc, ouais, là, on est bon pour avoir la mission. Nous venons de recevoir un ok, bon, il n'y a pas de souci. En même temps, il n'y a pas de carnivore, donc il n'y a pas de problème. Allez, retour sur Isla Muerta. Voilà, on va un petit peu sur les deux, tu vois. Donc, il nous reste les deux autres missions. On va se rendre sur l'île. On va essayer de terminer les deux missions, donc que ce soit côté sécurité ou côté science. Et voilà, on va valdinguer entre, je pense, un petit peu les deux îles. Mais bon, le plus important, on va dire, sur cette nouvelle île, a été vraiment de sortir la tête de l'eau à cause de ce problème de trésorerie. Donc maintenant, ça va mieux. On se sent bien, on commence à prendre du budget, on a vraiment des bénéfices assez intéressants, sans même mettre des carnivores. Ce qui est quand même vachement bien, parce qu'en général, c'est ce qui fait monter la réputation et ce qui fait venir beaucoup de monde. Allez, petit retour, donc du coup, sur Isla Muerta. Qui est très différente, hein. Une île très 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 différente, avec, regardez, des couleurs extrêmement différentes. Apparemment, j'ai des animaux morts. Ouais. Alors, on va voir ça tout de suite. Que s'est-il passé pendant mon absence? Non, mais je pense que c'est resté au même moment, donc là, mort de vieillesse, hein, je parie. Ouais. Allez, bah écoute. Tu me le retires, s'il te plaît. Ah, ça me fait plaisir de revenir sur cette île. C'est fou, ça fait pas longtemps que je suis parti, hein. Pourtant ça me fait plaisir. Donc c'est là où il y a plein de tempêtes. C'est là où c'est un petit peu chiant. Et où on a 16 millions de budget. J'avais oublié. Excellent. D'où il n'y a pas d'électricité. Par quelle magie? Noir. Alors attends. Est-ce qu'il faudrait pas une station ici? Parce que ouais, niveau électricité, de toute façon, on y est. Donc, je vais mettre une station supplémentaire. Bah ouais, de toute façon, ouais. On va mettre une station. Je vais vérifier qu'il n'y en a plus là ici. Ouais, zéro. Ah, c'est pour ça. Parce que là ici, le réseau électrique a été fait vraiment n'importe comment. Bon, tant pis, écoutez, j'ai envie de vous dire, on a 16 millions de budget, c'est pas grave, même si je fais pas trop attention, on s'en bat les couilles. Allez, voilà, on va construire ça, et donc, ça, je vais le relier, attends, ici. Voilà, logiquement, ce sera alimenté après. Ah, transmission. Et voilà, mission numéro 2, côté sécurité. J'ai une opportunité unique et intéressante à vous proposer. Mais je vous préviens, ça risque d'être coton. En même temps, on vous a jamais dit que ce serait une partie de plaisir, si? Ok, alors 1 500 000 $, très bien. Récompense, et on va débloquer acier renforcé électrifié, ça c'est bien. Donc il faut que j'incube et que je transfère un Dilophosaurus et un Vélociraptor, j'accepte bien sûr la mission. Allez, on fait donc rentrer le Vélociraptor en premier, et après on fera rentrer le Dilophosaurus. J'ai juste fait une petite barrière pour pas qu'ils aillent dans le reste de l'enclos. Histoire qu'on les voit tous les deux, par contre en termes de prairie et tout, là ils sont pas très bien. Ouais, je fais rentrer tous les deux, c'est pas grave. Je les fais rentrer, effectivement, tous les deux. Je vais leur rajouter de la place après. Déjà, on va pouvoir les voir se fight. Je pense que c'est la mission vraiment principale. Hein. Oui, ils sont pas contents. Alors, attends, on va regarder ça. Mais avant toute chose, je vais demander à une équipe de remplir ici. Et on va les voir se fight, évidemment. En cas de doute, souvenez-vous de ce que vous avez appris. Mes collègues sont prêts à observer leurs interactions. Le massacre, vous voulez dire? Vous qui croyez en la nature, Dr. Malcolm, sachez que nous ne faisons que la recréer. Non, vous la manipulez, sans avoir la moindre idée de ce qui peut se passer. Je croyais que l'inconnu vous fascinait, Dr. Malcolm. Poursuivez le test. Et voilà! Il est pas loin, là, le Dilophosaurus. Il est pas loin du tout. Et voilà, il lui saute dessus pour le finir. Très bien. Alors ce qu'il faudrait faire maintenant, c'est agrandir le truc, évidemment. Attends, apparemment j'ai un dino mort. Où ça? Déjà, il faudra s'occuper de ça ici. Les observateurs de Dr. Wu doivent s'occuper de la clôture aussi. Pour assurer leur sécurité. Oh, je ne suis pas mécontent d'avoir raté ce carnage. Je parie que ça a dû être sanglant. Les griffes, les crocs et les rugissements. Ce n'est pas vraiment ma tasse de thé. Ok, alors veillez à ce que le dinosaure vainqueur reste dans un enclos sécurisé. Alors moi je veux bien, par contre faut agrandir.
Bon, du coup, ce que je fais, c'est que je vais le transférer dans un enclos. Pas celui-ci, parce que là, c'est vraiment provisoire. On va l'emmener dans un enclos, justement, que j'ai créé ici. Hop, regardez, et on va l'emmener ici, c'est un peu plus grand. Veillez, alors je vous rappelle l'objectif, veillez à ce que le dinosaure vainqueur reste dans un enclos sécurisé. Pour l'instant, ça le fait. Il est là, mais c'est pas comptabilisé encore, parce que regardez, il était endormi. Du coup, ils l'ont endormi à cause de ses différentes escapades à l'extérieur. À vouloir péter la clôture, à s'échapper, parce que pas content de l'enclos que je lui avais fait. Du coup, j'ai agrandi. Et là, je pense que ça va le faire. Niveau confort, il est à 100%. Allez mon grand, tranquille, reste calme, il te reste 18 secondes à tenir, s'il te plaît. Reste tranquillou, t'as un collègue avec toi, y a pas de quoi stresser. Mange parce que je vois que t'as faim. Je pense que c'est bon là. Je pense qu'on est bon, il reste que 5 secondes, mission réussie, enfin. Oh là là, c'était compliqué hein. Et voilà, mission terminée. Ah, je suis content. Oh, c'était long. Clôture électrique en acier renforcé désormais disponible. Ok. Ouais, c'était pas joli à voir. Mais le docteur Wu et ses chercheurs ont pu récupérer les données qu'ils voulaient. Vous avez assuré. Dites-vous que vous avez de la chance de ne pas avoir à nettoyer tout ce bazar. Terminé. Je ne comprends pas ce qu'ils font. Ils avaient pourtant récupéré assez de données après les anomalies sur les îles pour savoir comment les dinosaures se battent et tuent leurs congénères. Et les humains? Non, ils ont une autre idée derrière la tête et je compte bien découvrir laquelle. Ah ouais. Bon, la mission est terminée. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que nous allons faire la dernière, la troisième mission. J'ai une autre proposition à vous faire. Enfin, cela relève plutôt du défi, puisqu'il s'agit d'un dinosaure en mauvaise santé. Ça me paraît bien dangereux, tout ça. Guère plus dangereux que nos recherches habituelles, docteur Malcolm. Vous devriez pourtant... Oh, et puis zut, faites comme vous voulez, après tout. Alors, apparemment, on va accueillir un nouveau dino. Côté population, on en est déjà bien rempli quand même côté herbivore. J'ai choisi d'ignorer les mises en garde du docteur Malcolm. J'ignore s'il est trop méfiant ou s'il cherche une excuse pour nous servir un de ces... Je vous l'avais bien dit. Quoi qu'il en soit, je crois qu'ensemble, nous pouvons y arriver. Bon, comme je le disais, le parc va accueillir un animal malade. Et tout doit être prêt pour l'accueillir. Allez, mettons-nous au travail. J'ai bien entendu. Vous comptez faire venir un dino malade dans nos locaux? Non, j'espère que vous savez ce que vous faites, parce que moi, pas du tout. Attends, il a aucun accès là? Ok, je vais leur mettre une porte. Ravitaillement de la mangeoire en fait. J'oublie les bases. Attends, je leur mets une porte. Normal quoi. Voilà, une porte. C'est bon, t'as l'accès. Alors, ok, c'est malade ça. Il faut examiner l'animal avant de pouvoir le soigner. Voyons si nous pouvons identifier le problème et l'isoler. Il paraît qu'on a un dinosaure malade dans le parc, et que le docteur Doua et vous essayez de le soigner. Ça me plaît pas du tout, mais bon, on m'a pas demandé mon avis. Je me permets quand même de vous rappeler de le tenir à l'écart des autres animaux, histoire d'éviter toute contagion. Et... ouais... Mais est-ce qu'on a trouvé au fait le truc? Parce que peut-être qu'il faut rechercher le... Attends, mais peut-être qu'il faut le rechercher, cette fameuse maladie. Mais je suis con. Mais on l'avait pas, gros. 2 minutes. Oh là là, bah écoute, on l'avait pas, c'est pour ça. Ok. Et depuis tout à l'heure, on tourne, mais en fait, fallait le rechercher. Élément de recherche. Mais putain, c'est marqué en plus. Et on est con. Mais on est terriblement con. Donc c'est bon, ça remonte sa santé. Histoire qu'il tienne un petit peu. Ah, il est toujours aussi pas bon en termes de prairie, hein. À mon avis, il va avoir envie de sortir, là. Ce qui serait bien, c'est de faire transférer quelques personnes, hein. Peut-être histoire qu'il y ait plus de place, non? Franchement, je sais pas. Donc là, on va attendre que la recherche se fasse, et j'espère qu'il va tenir. Il va tenir parce qu'il a 0% de confort. Voilà! Ok, super. Cryptosporide, sporidi. Ça... c'est trouvé. Allez. Vas-y, mon grand.
Ah, son confort qui a augmenté? Ah, parce que maintenant, prairie. Ok. Voilà, c'est bon. Donc là, maintenant... Je peux même le faire moi, attends. Attends, je le fais. Attends. Toucher, voilà. Non, non, pas tir raté, mon vieux. Toucher. Allez. Voilà. C'est bon. Nickel. Ça, c'est fait. Tiens, d'ailleurs, faut que je pense à libérer tout le monde, là. Ah, il y a encore un autre dinosaure malade? Ok. Le Métriancantosaurus. Le Métriancantosaurus. Est-ce que ça, ce serait pas carnivore par hasard? Alors, rien voir. Est-ce que c'est un carnivore? Ouais, on dirait plus un carnivore qu'un herbivore. Veillez à ce que le dinosaure ait accès à de la nourriture. Veillez à ce que le dinosaure ait accès à de l'eau. Oui. Et ben moi, je dis veillez à ce qu'il ne se fasse pas bouffer tout de suite, quoi, tu vois. C'est surtout ça le truc. Alors. Ajouter une tâche. On va essayer de le guérir direct. Attends, toi. Cible arrivée à destination. Direct administré. J'ajoute ça à la liste. Médicaments. Alors, c'est un carnivore? C'est un carnivore, c'est bien ce que je pensais. Super. C'est quoi, crypto? On l'avait déjà, ça, je crois. Je crois qu'on l'avait déjà. J'espère qu'ils vont pas s'entretuer du coup. Tâche ajoutée. Allez-y. Ah, s'il vous plaît, ne le touchez pas. Hein. Restez tranquille. Ça me ferait plaisir. Donc là, à mon avis, on va le soigner direct. Allez-y. Attends. Non, 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 non. Je vais endormir mes deux gros. Bon, putain, tu le touches ou comment ça se passe? Bordel de cul. Allez. Voilà. D'accord. Faut le rechercher. Transmission. Ah, c'est bon? D'accord. Bah, je croyais qu'on l'avait pas. Très bien. On a gagné. Équipe de recherche, bravo, désormais disponible. Voilà. Non seulement leur redonner la vie, mais aussi la santé. Je viens de recevoir les derniers résultats du labo. Et notre dinosaure est guéri. Beau travail. Ouh, et ben dis donc, plus de 4 étoiles, 35 millions de dollars. C'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. Mais c'était vraiment, on va pas se mentir, c'était n'importe quoi. Vous avez vu plein de coupures dans la vidéo, j'ai créé plein d'enclos partout, enfin bref. C'est une... Mais alors, une... un truc de malade. Je vais remettre tout ça en ordre après la vidéo, mais c'est vrai que pour accomplir cette mission, ces deux dernières missions, j'ai dû y passer, allez, bien une heure et demie. Et c'était vraiment, vraiment tendax. Bon, et ben en tout cas, ça c'est fait les amis. On a terminé les deux missions sur Isla Muerta. Je suis très content. Voilà, je suis très content. Du coup, maintenant, on pourra vraiment se concentrer sur les autres îles. Parce qu'ici, tout va bien. On est à plus de 4 étoiles sur les deux parcs. Ça, franchement, c'est cool. On essaiera d'en avoir 5. Hein. Peut-être plus tard, on verra bien. Mais là, regardez, effectivement, la prochaine fois, on continuera sur Isla Tacaño. Effectivement, là où justement, on n'a pas encore tout fini. Et loin de là, on a fait encore 0 mission. On développe, encore une fois, ce parc là-bas qui est vraiment magnifique. Vraiment dans un paradis tropical idéal. Bref, merci à tous. On se retrouve, les amis, très bientôt pour la suite. N'oubliez pas de liker, de commenter et de partager cette vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien et vive les jeux vidéo. Salut tout le monde.